matin au soir, des symphonies blanches ou noires, Beethoven est là, venez voir, voici la bande à Mozart. La Chopin derrière son synthé danse sur le clavier. Fait de la batterie, c'est un vrai ténor Verdi. Attention, on va se coucher tard, voici la bande à Mozart. Mozart mène la partie, c'est lui qui les a réunis. Demain ce seront des stars, voici la bande à Mozart. Avec Mozart et ses amis, venez jouer les mélodies, à faire rêver le paradis jusqu'au bout de la nuit. Voici la bande à Mozart. Cette valse magnifique est de Frédéric Chopin. C'est un chien qui la lui a inspirée. En effet, c'est en voyant ce charmant animal essayant de se mordre la queue que l'idée lui en est venue. Notre petite histoire d'aujourd'hui parle d'un chien, du chien de notre ami Mozart, et je l'ai appelé la valse de Pimples. Tu as l'air détendu et heureux, Chopin. C'est sûrement dû à l'odeur de cette petite brise marine. Veux-tu boire quelque chose de rafraîchissant? J'ai préparé moi-même ce cocktail de fruits exotiques. En veux-tu un verre? T'as pas trop chaud? Ah, si, j'aimerais bien quelque chose de frais. Anna, veux-tu bien lui passer l'éponge? Une éponge? Mais pourquoi faire une éponge? Une éponge, ça sert à quoi, Chopin? Mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Alors, tu la prends, cette éponge? Ben, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu attends pour nettoyer ce tableau? Je crois qu'il est assez juste que ce soit celui qui n'a pas appris sa leçon qui soit obligé de nettoyer le tableau. J'espère que tu n'y vois aucun inconvénient. Est-ce que je peux aller m'asseoir? Il a pas l'air bien. Tu crois qu'il est amoureux? Tu sais bien qu'il ne pense qu'aux filles. Hé, hey, les gars, regardez ce que je vois. Oh, elle est pas mal. Bonjour, professeur Solfa. Voici mon amie Lise. Elle passe quelques jours chez moi. Bonjour, monsieur. Silence, s'il vous plaît. Bienvenue chez nous, Lise. Allez vous asseoir toutes les deux. Et toi, n'oublie pas de nettoyer le tableau. Mes enfants, veuillez m'excuser. Il faut que je rentre pour réparer mon toit. Ma fille Anna m'attend pour m'aider. Monsieur. Hey. Quoi? C'est pas difficile à faire. C'est trop dur. Mozart, n'oublie pas qu'on doit répéter tous ensemble cet après-midi. On est volontaires pour réparer votre toit. Non, merci, c'est très gentil à vous, mais le week-end est fait pour se reposer. On n'a pas besoin de repos, on est tous en pleine forme. Pff, oh, je ne crois pas. Dans ce cas, c'est avec grand plaisir que j'accepte votre aide. Et en cadeau, je vous offrirai mon vieux clavier. Oh. Et tu t'es assise à la place de Chopin. Ah, je parie que c'est lui, c'est bien toi, Chopin. Oui, c'est moi, et où je vais m'asseoir, hein? Frédéric Chopin, il avait un nez aussi gros que le tien. Hein, qu'est-ce qu'il a, mon nez? Toi, dégage de là, et vite. On ne parle pas comme ça. Qu'est-ce Sophie, que tu dis? Calme-toi, Chopin. Mais c'est ma place, c'est là qu'à s'asseoir ailleurs. Chopin, veux-tu t'asseoir? Du calme, fais comme moi. Je suis, on ne peut plus calme. Et je précise que j'ai pas un gros nez. Bravo, Pimples, y a pas à dire. T'es vraiment un chien sur qui on peut compter. C'est vrai que si tout le monde travaillait autant que toi, on dirait plus vite. Que tu ne dis pas ça pour moi, Verdi. On n'avance pas très vite, y en a qui pourraient accélérer un peu. Faut encore qu'on répète. Il est toujours aussi grognon, ton copain? Oui, il faut dire qu'il a le même caractère que le grand Verdi. Enfin, disons qu'il fait tout pour rester calme et que c'est pas toujours facile. Tu dis que j'ai le même caractère que le génial Verdi? C'est vrai que je m'emporte facilement, mais après tout, il vaut mieux avoir du caractère que pas du tout. Il y a quelqu'un? Non, il y a personne d'autre que nous. Allez, dépêchons-nous de finir ce boulot. Si, il y a quelqu'un, j'ai entendu des voix. Regarde, on dirait que c'est ton copain. On dirait que Chopin, lui aussi, a du pain sur la planche. J'ai un peu peur qu'il soit désaccordé.
Oh, le réglage s'impose, professeur. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça en deux temps, trois mouvements. Je sais que tu en es capable, tu as une excellente oreille, Chopin. Quand est-ce qu'on va manger? Attends qu'ils finissent de réparer le toit. Dis-leur de se grouiller un peu parce que moi, je crois bien que je vais mourir de faim. Merci, Pimple, c'était un bon chien. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu aboies? Ah, il a vu un oiseau dans l'arbre. Non, Pimple! Non, attention! Pimples! Pimples! Est-ce que tu es blessé, mon brave Pimples? Oh, Pimples, est-ce que tu m'entends? Tu crois qu'il est mort? Pourquoi avez-vous emmené ce chien avec vous sur le toit? Hé, les gars, mais que s'est-il passé? Allons, tu peux me le dire, n'est-ce pas, Mozart? On était tous sur le toit quand soudain Pimples a glissé. Toi, t'aurais dû nous aider? C'est pas sympa de me mettre ça sur le dos, Si t'avais été là, Pimples serait peut-être pas tombé. Moi, j'étais à l'intérieur avec le professeur Solfa qui m'a remis le clavier. Et de toute façon, ça ne te regarde pas, je fais ce qui me plaît. J'ai pas de leçon à recevoir de toi, c'est clair? Parce qu'il est à toi, ce clavier? Oui, le clavier, il est à toi. Pourquoi elle me cherche sans cesse? Je veux savoir pourquoi cette fille n'arrête pas de m'embêter. Cette fille, comme tu l'appelles, elle a un nom, c'est Lise. Et elle a raison, le clavier est à nous tous. Arrêtez de vous disputer, d'accord? Oh, Pimples est blessé, il a une patte cassée. C'est pas grave. Mais qui va pouvoir le soigner? Je sais pas où l'emmener. Dis, Chopin, je crois bien que t'as un vétérinaire dans tes relations. Est-ce que j'ai pas raison? Oui, c'est vrai, j'en connais un. Bonne idée. Un vétérinaire, il suffisait d'y penser si on y allait tous. Oh, elle est bizarre, cette fille. Oui, et t'as vu Mozart? Elle lui fait perdre la tête. Oh, qu'il est mignon, ce chaton. C'est plus vraiment un chaton, Lise. T'inquiète pas, Pimples, on va te soigner. Mozart, regarde comme il est mignon, j'adore les chats. Moi, il faut éternuer. T'aimes pas les chats, Mozart? Ben, c'est-à-dire que... Oh, qu'il est beau. Moi, je suis allergique à leurs poils. Ça me fait éternuer, je peux plus m'arrêter. Pour te dire la vérité, moi aussi j'adore les chats. C'est vrai, ils me font craquer. Celui-ci est vraiment très beau. T'es bien d'accord avec moi, Pimples? Si on demandait combien il coûte. Tu rigoles ou quoi? On est là pour faire soigner Pimples, pas pour acheter un chat. Suivez-moi. Je vais être obligé de le garder cet après-midi. Mais ne t'inquiète pas, ici on aime les chiens. Pimple sera très bien soigné. C'est exact. On aime tous les animaux. Vous savez ce qu'il vous faudrait? C'est un chat. Avec Raja, par exemple, vous ne seriez pas seul. Comment s'appelle-t-il, ce gentil toutou? Il s'appelle Pimples. Il est très doux, c'est un bon chien. Tu viens avec moi, Pimples, on va guérir ta papate. Vous êtes fait l'un pour l'autre. On dirait un vrai coup de foudre, ça arrive assez souvent. Pour nourrir convenablement Raja, vous devez acheter Miaou. Raja raffole de ses boîtes. C'est affreux, je supporte pas ces animaux. Je crois que t'exagères un peu, c'est pas si affreux que ça. Il est aussi beau que toi, ce petit chaton. Je le trouve aussi merveilleux que toi. Dis, Mozart, tu ne voudrais pas faire plaisir et m'offrir ce petit chaton, hein? Merci, je savais que t'allais dire oui. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce chat. Oh, c'est tout naturel. Pas question, je refuse que Lise amène ce chat à la maison. Je vais éternuer sans arrêt. Comment peut-on faire, Mozart? C'est Beethoven, je vais voir ce qu'il me veut. Excusez-moi, les filles. Le professeur Solfa nous a tous invités à prendre le thé. Viens, faut préparer les sandwichs. Je viendrai avec plaisir, mais voilà, je viens tout juste d'acheter un chat. Tu as acheté un chat, mais tu es tombé sur la tête, Mozart. Ben, disons que j'ai craqué. Et que vas-tu faire de Pimples? Tu ne peux pas l'obliger à vivre avec un chat. Pas si vite, Beethoven. C'est vrai que j'ai acheté un chat, mais il n'est pas question que je l'emmène chez moi. Je ne suis pas complètement idiot. Essaie de comprendre que ce n'est pas juste de laisser ce pauvre chat sans maître. Moi, j'ai un cœur et je me voyais pas le laisser dans cette vitrine. De toute façon, si je dois le garder, ce n'est que très provisoirement. Alors explique-moi pourquoi, si c'est provisoire, tu t'es senti obligé d'emmener ce chat ici?
Bah, disons qu'il est gentil et que j'aime Depuis les chats. Quand t'aimes les chats? C'est nouveau que je sache. Tu disais toujours adorer les chiens, Mozart. Mais faut dire que pour les beaux yeux de Lise, t'es prêt à dire n'importe quoi. C'est pas vrai ce que tu dis. J'ai toujours aimé les chats. Fais comme tu veux. Après tout, c'est à toi de t'en occuper maintenant. Réveille-toi, Raja. Faut pas t'endormir sur le clavier de l'ordinateur. D'ailleurs, il faut que je classe ceci rapidement. Ça y est. Sais-tu que le vrai Mozart détestait les chats? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas parce qu'il avait un chien qui lui aussi s'appelait Pimples que... Oh, zut alors, quelle heure est-il? Faut reprendre Pimples, je l'ai oublié. Oh, mais quelle surprise! Entre, mon garçon, ne reste pas à la porte. Oh, tu as vu ça, gentil chien-chien, il y a quelqu'un qui est venu te chercher. J'étais venue livrer le réveil que vous m'aviez commandé, mais je peux aussi ramener Pimples chez lui. Je l'avais oublié. C'est vrai que je t'ai demandé un réveil très spécial. Il a l'air magnifique. C'est le fameux réveil que tu as inventé. Laisse-moi voir ça. Ils t'ont tous oublié. Ça y est, t'es guéri, mon toutou. Oui, t'inquiète pas, je vais te ramener à la maison. Mais on dirait qu'il fonctionne. Tu es vraiment un inventeur de génie, mon petit Chopin. Oh, il est très beau. Il y a trois niveaux de réveil. Trois niveaux de réveil. Oui, il est fait pour réveiller un dormeur par étapes successives. D'abord avec sa musique préférée. Oh, mais c'est génial! Un réveil en musique, j'adore ça. Et que se passe-t-il si la personne continue de dormir, Chopin? Oh, mais ça marche! Mais c'est moi! Oh, c'est génial, écoutez ça! Oh, mais ça marche! La seconde étape, c'est que le dormeur doit être réveillé par sa propre voix. Au revoir! Attends un instant, Chopin. Et la troisième étape, que se passe-t-il ensuite? Oh, c'est affreux. Si le dormeur n'est pas réveillé par les deux premières étapes, la troisième le sortira du lit. Ah, il est vraiment comique, ce petit Chopin. Sa troisième étape réveillera tout le voisinage. Tiens, mon gentil minou, je t'ai apporté du lait. On voit que tu aimes beaucoup les chats, Mozart. On y est. Merci d'avoir ramené Pimples. Je l'avais complètement oublié. T'inquiète pas, je plaisantais, Pimples. Jamais je pourrais oublier mon chien. Tu m'en veux plus? Mais non, comment pourrais-je en vouloir à un ami? Faut dire qu'on était comme chien et chat tout à l'heure. Comme Pimples et Raja. Allez, Mozart, serre-moi la pince. Salut les garçons, comment ça va tous les deux? Tu as l'air d'être en pleine forme, Mozart. C'est pas comme Verdi, il est nerveux. Bonjour mon tout petit minou. C'est l'heure de casser la croûte, à table les amis. Allez, on se dépêche, l'heure c'est l'heure. Vite, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pimples, mais qu'est-ce que tu as fait? Ce chien est vraiment mal élevé. Eh, pas si vite, Lise. Oh, fais attention à ce que tu dis. N'embête pas Lise, Pigeon. Pendant que les autres s'amusent, moi je suis obligée de travailler. Arrête de râler sans arrêt, Verdi. Viens plutôt danser avec nous. Merci, Mozart, mais j'ai pas très envie de danser actuellement. Super, encore un rock'n'roll. Viens danser avec moi, Mozart. Non, j'ai pas envie de danser, Mozart. Tant pis pour toi. Nous, on va bien s'amuser. Qu'est-ce que t'attends, Mozart? Viens danser avec nous. D'habitude, tu te fais pas prier autant. Tant pis, on va s'amuser sans vous deux. Allez, viens, Beethoven, danse avec moi. Vas-y, si tu as envie. À
Allez, moi ça me dit rien du tout. Mais non, pas question. Tu vois, ma chérie, il ne veut pas danser sans moi. Arrêtez de faire la tête, tous les deux. Venez vous amuser. Lise ne veut pas danser, mais Mozart adore ça. Non, j'aime pas danser. Pourtant, tu adorais danser avant. Enfin, fais comme tu veux, mais prends au moins un sandwich. Oh, jambon fromage. Non, ne mange pas ça. Quoi? Mais j'ai faim. J'ai rien mangé de toute la journée, Lise. Oh, Mozart, tu es un peu trop gros, à mon avis. Tu devrais perdre un peu de poids. Moi, je suis trop gros. On m'a jamais dit ça, n'est-ce pas, Anna? Tu devrais m'écouter. Regarde-moi, moi j'ai la ligne. Elles sont toutes jalouses. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Suis-moi, Verdi. Oh, te laisse pas faire. Quoi? Ne les écoute pas, Mozart, ils sont jaloux. Tu sais bien que j'ai raison. Ah, dis-moi, tu voudrais pas aller me chercher un sandwich? Là, c'est pas mal. C'est vrai que Frédéric Chopin avait un grand nez, mais le mien est normal. De toute façon, j'aime mon nez. Je me demande ce que le maestro aurait fait pour garder un ami. Tu l'as effacé. Si tu ne t'entends pas avec ce pauvre chat, alors tu dormiras dans la cuisine. Et tâche de rester sage jusqu'à ce que je revienne te chercher. J'ai jamais dormi avec un chat, mais ce soir, j'ai pas d'autre solution. Raja, mais arrête! Ne griffe pas la couverture! Laisse-moi dormir, tu veux? Oh, oh non! Oh! 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 Descends immédiatement de mon lit! Ah bon, je me lève! Hé, mais qu'est-ce que tu fabriques, Raja? Ah, c'est comme ça! Tu veux faire l'andouille? Très bien! Attends avant que je t'attrape! Et tu verras! Oh! Oh! Oh, t'es vraiment pas gentil! T'as vu tous les dégâts que tu as fait? De toi, j'ai puni ce pauvre Pimples qui était innocent. Hé, hey, Pimples, mais qu'est-ce que tu fais là et comment as-tu fait pour entrer ici? Ah, mon chien, c'est Mozart qui t'a amené? Non, je crois que t'es... Bonjour, mon chéri. Voilà, on ne va pas laisser le réveil passer en phase 3 et ne me demande pas qui m'appelle chéri, d'accord? Me permettre, t'as pas l'air bien réveillé, Verdi. J'ai très mal dormi, j'ai eu mal à l'estomac toute la nuit. Dis, tu voudrais pas porter mes affaires, Verdi? Tu lui en demandes beaucoup, il est malade. Mais je vais de mieux en mieux. Oh, alors j'accepte que tu portes mes affaires. Oh non. Hé, les filles, il en est pas question, j'aime pas qu'on me prenne pour un idiot. Allez,
Sois gentil, porte mes affaires. T'as qu'à les porter toute seule et t'y rajoutes ça. Après tout, c'est à toi, je te l'ai acheté, alors occupe-toi. Oh, c'est mon cartable et il est lourd. J'y ai rajouté ton chat. Oh, tu n'as pas osé mettre notre chat à l'intérieur. Notre chat? Non, ton chat. Et fais attention, il a de belles griffes. Ah, tchou! Oh. Comment oses-tu me faire un tel affront? Tu ne vaux pas mieux que tes idiots copains. La jalousie est un vilain défaut. À cause d'elle, on perd ses amis. Tu vois, il y a une justice, ma jolie. J'ai vraiment été stupide, Verdi. Et le plus grave, c'est que j'ai perdu Pimples, il s'est sauvé. Eh, faut le comprendre, t'as pas été très gentil avec lui, Mozart. Tu peux le dire, j'avais complètement perdu la tête. Ah oui, elle t'a fait perdre la tête. J'ai perdu Pimples et je me suis fâchée avec Chopin. Où diable Pimples est-il peut aller? Écoutez, c'est Pimples. Tiens, et c'est le clavier, il est bien accordé. C'est incroyable qu'un mec avec un aussi gros... Mozart! Fais gaffe à ce que tu dis. Il nous fallait un génie comme toi pour réussir à l'accorder. Faut dire qu'il vaut mieux ne pas être sourd ni aveugle. J'ai un copain à qui c'est arrivé. Bon, ça va comme ça, les compliments, les amis. C'était juste histoire de le faire râler. Et si tu jouais un morceau, qu'en dis-tu? La valse minute a été appelée comme ça parce qu'elle ne dure qu'une minute. Mais Chopin aurait pu la baptiser la valse du petit chien parce qu'il en a eu l'inspiration en voyant le chien de sa compagne essayer de se mordre la queue. C'est tout pour aujourd'hui, les enfants.